Bon, mon Dieu, il y en a-t-il eu des inventeurs? Mais ça prend tout le temps des situations spéciales, assez spéciales, des fois, pour inventer quelque chose. Il y avait des amateurs de motoneige, tout le monde dit qu'il y en a un meilleur, mais il n'y en a pas un qui n'ait eu un aussi bon que Big Sweet. Puis lui, il a fallu qu'il vive quelque chose pour arriver là. Parce qu'une fois, il s'en allait sur un lac avec un trichon. Lui, dans l'avant, l'autre, dans l'arrière. À un moment donné, lui, dans l'avant, quand il est en arrière, il n'y avait plus qu'un en arrière. Il a viré bon, nous, en arrière, parce qu'il avait arrivé en arrière. Puis quand il est arrivé en arrière, il y avait un trou dans le lac. Il a dit, mon chum m'a galé. Il a essayé de le pogner, puis il n'a pas pu. Ben, quand il a vu ça, il a tête, ses lunettes, puis il s'est fourré la face dans l'eau, puis il a aperçu son chum qui était à genoux sur son skidou, il s'est donné le nez, puis il craignait. Quand ils ont sorti ça de là, il était en tas. Il a dit, maman, faire un estif de motoneige, puis il va aller assez vite, car il n'aura plus jamais fait là. Fait qu'il a rentré ça dans un chef de travailler 6 mois dessus. Au bout de 6 mois, il a sorti ça, il a donné un coup de crainte, ça fait fitopatrou. Il a compris fitopatrou. Ça fait qu'il a rentré ça pour 6 autres mois. Quand il l'a sorti, il a donné un petit coup de crainte, puis ça fait. Il a trouvé qu'elle virait bien. Moi, te dire comment il était fait, Austin. Avec un vieux 35, il avait fabriqué. 3 moteurs de troc, puis 2 essieux de buggy. 20 vitesses d'avant, puis 2 tireux culons. 300 smart plugs pour autant de pistons. Big Sweet et sa motoneige. Il était né tout près d'un skidou. Sa mère, elle était morte à cause d'entendre les loups. On n'a jamais su comment il s'est nourri. Mais depuis ce temps, il n'y a plus de loup dans le pays. Big Sweet et sa motoneige. Le meilleur coureur du monde entier avait gagné 5 tonnes de médailles et trophées. C'était le plus vite qu'on avait jamais vu. Signal du départ, t'es déjà venu. Big Sweet et sa motoneige. Il était pas au courant de la loi du libre-échange parce que il fut approché par les Américains à qui voulait les plantes son gros engin. Big Sweet leur a dit en souriant, prenez mon dentier, moi je garde le devant. Big Sweet et sa motoneige. Un jour la tempête a frappé le pays. Elle appelle à Québec, c'était les Rimouski. Big Sweet et sa machine allaient par tous les vents. Disparu quelque part dans Saint-Laurent. 3 ans plus tard, c'est côtes de la Norvège. Trouva les débris de sa motoneige. Sur la carlingue étaient écrits ces petits mots. Ah, oh, mais je pensais qu'il y avait de la glace dans le but de Gaboulco. Imagine-toi. Un gars qui se réveille à Acapulco avec un soude de skidou sur le dos, il fait pas mal plus chaud qu'à Capozo. Puis là-bas, il y a des babines de 8 livres. Ils peuvent pas dire Raymond, il dit « Ouais, moi ». Ça fait quand qu'il a détaché le casque, il a entendu ça.